Il vaut 15. I think. Croissant des quatre. Le gîte d'Athéna.
Et bonjour Christelle là-haut. Peut-être dans le QG. Bon réveil, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de votre côté. Avec en douceur. C'est ce qu'il faut. Tu n'as plus de place. Fuck. Oh my god. Nope, 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 nope. Regarde quand même, on sait jamais. Non, c'est pas possible qu'il y ait un truc intéressant. Ok. Sur ce jeu, oh, j'en suis à 1000. Non, je sais plus combien, 1400, je crois. Non. Non, même pas, non. Il faut 600, 500. Je n'ai aucune idée. Je sais plus. Peut-être 1400. Non. 1400, non. Parce que 400 heures, ça me paraît peu quand même. Attends, 2 secondes. Pas celui-là. This one. J'ai regardé ça. Il est au Steam. 1400, ouais. Mille quatre cents heures. Merde. Uniquement pour cette version. Oh, c'est la version Steam Anniversary. Après, j'ai beaucoup joué avant que ce soit sur Steam aussi, donc. Quand je connaissais pas Steam. Je
Et je crois qu'il y avait aussi la version avant l'anniversaire, il me semble. Et la version anniversaire avait remis à zéro les compteurs, je crois. Où est-ce que je vais? Go Bobos. Non, il a 15 ans, je crois. 12 ans, 13, 13, 14, ouais, presque 15 ans. Ouais. Il a pas 20 ans, non. L'anniversaire est sorti au bout de 10 ans, je crois. Je confonds pas avec Skyrim. Maybe. J'arrive pas à croire que c'est que j'arrive pas à croire que ces gorgones aient profité de moi. Non, il allait devoir 15 ans ce jeu. La pierre du gardien. L'essence de gîte d'Athéna. Tu n'as plus de place. Of course. Je dors mal en ce moment. Je vends aux gens sages et puissants. Veux-tu vraiment faire tes achats ici? Ouais, résistance à l'estoc avec une régénération de santé, pourquoi pas. Pierre du gardien, je m'en fous. Ouais. Pas terrible. Connaissez-vous Simonides? Bientôt 20 ans, ouais. Encore 3 années, ouais. Adieu. Adieu. Ouais, moi je veux juste un body normal. Ou alors je crois que je l'avais acheté sur à l'époque sur. Il y avait une boutique Orange, je crois. Je connaissais pas Steam. Je l'avais acheté. Ah non, je crois que j'avais le boîtier en fait. Je l'avais acheté en promo, je crois. Le boîtier. Et j'avais acheté ensuite l'extension. Immortal Throne sur une boutique Orange de jeux vidéo à télécharger, je crois. Il me semble. Après, je l'ai racheté sur Steam. Quand j'ai découvert Steam.
J'ai pris la fontaine, j'espère que j'ai pas pris la fontaine. Bon, c'est pas grave si j'ai pris la fontaine. J'ai du mal à les tuer, elle. Il pleut dehors? Non. Quoique. I don't... fallait quand même acheter les DLC donc... Et on y retourne. Est-ce que je repars sur... Non, c'est bon. Bâton sanguin taillé du tonnerre. Quoique... Un doute m'habite. Elle défonce tout la petite tempête. Dégâts d'électricité, absorption de vie, dégâts d'électricité.
Mémoire d'Archimède, je vais pouvoir faire le. Un artefact. Alors, je débloque. Invocation de la tempête, l'œil du cyclone. Et je vais prendre, je vais monter. Plus on de tempête, plus de dégâts. Dégâts de froid, dégâts d'électricité. Ça sera bien. Hop là. Allez hop. Tu ne peux plus rien porter. Elle augmente les dégâts et protection contre les dégâts d'électricité de froid ennemi. Ok, cool. Bon, je vais faire l'artefact. Je vends aux gens sages et puissants. Veux-tu vraiment faire tes achats ici? Plus 18% de déplacement. Non, j'ai 17%, ça suffit. Peut m'intéresser là. Bon débarras. Sympa. Où est-ce que je vais comme ça? Des coffres larges et profonds, comme disent les poètes. On va faire le garde fantôme. Bon voyage. Vous pouvez avoir la relique ou l'objet, pas les deux. Le garde fantôme. 18 d'absorption de vie sur 3 secondes, 7% de résistance aux dégâts de vitalité, 12% de chance de 50% de dégâts envoyés, ça c'est bien, plus 20 de capacité offensive, plus 16% de résistance au poison. C'est pas le truc le plus cool du monde, mais c'est mieux que rien. Rien d'autre ? C'est mieux que rien, voilà. C'est pas top top top, mais c'est pas... Ça peut être pire. On est le 31 mars. Incroyable. Le mur de ronce, un bouclier, le mur d'Archimède encore, cool. Ça peut servir.
Où il va? Les grottes de Pythienne. Et de qui la... Why? Oh là là. Raté. Yak. Merci, mais au merci, mais au revoir. Le coffre pourri. Eh ben, en pourri. Là, on avance. Cube du chaos, hein. Vin Dionysos, poche de venin sans démon. Oh, il fait nuit. Bonjour. Tunique avec violette, j'en ai besoin pour une quête plus tard, si je surveille. Résistance, non. Merci. Allez, on y retourne. Allez, la partie que je préfère, c'est là. Mais...
Mais ils sont où les méchants? De sanglier. Des jonques de vie, abeilles hypothéteurs, matelassés, etc. Ça, je parle, monsieur. L'inventaire est plein. Nope. He's not. He's not full. Une touche, je suis mort.
Ouais, c'est bon. Tu n'as plus de place. Bon, je m'en doute un peu en même temps. Dégâts de vitalité, non. Toi-même. Chose de l'élève matelassé deux fois. Ça se revend. Bâton solide, drainant. Ça se revend. Écu, bague.
Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Plumage radieux. Plumage radieux, cool. Faut faire attention ici. Il va être casse-couille lui. Attendez, surtout n'entrez pas là-dedans. Super dangereux. En tant que magicien. Où est-ce que je vais? Oula, il me retire énormément de vie en une seconde. Pas qu'il me touche, hein. J'ai pas beaucoup d'armure ni rien, donc. Comme cette chose a blessé trois de nos hommes. Nous avons envoyé une patrouille dans les. J'ai l'impression que nous. Gourdin à pointe statique du nécromancien. Enfin, de nécromancie, bof. C'est de la merde, ok, j'ai l'habitude. Je ne peux plus rien porter. Je m'en doutais aussi un petit peu. Toi les Adelphes. Que veux-tu? Protection contre l'étourdissement. Résistance aux éléments. Non. 200 000, non, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Dégâts des stocks, non, on s'en fout des dégâts des stocks. Par loin d'ici. Enfin, pour l'instant, je m'en fous. Connaissez-vous Simonides? Un excellent prêtre. Ça, je le virais, ça. Pas grand chose, hein. J'ai zéro travail de Nisos. Non, c'est ici. Bon voyage. Et bonjour, Kabel. Bonne journée. On va essayer. Éternuer. Ah, ça va. Merci. Pas encore. J'ai pas encore éternué. Merci quand même. Pour ce prêt à mes souhaits. To my wish.
Ah, ça vient. Ah, peut-être. Ça va, mal dormi, ça va. Genre mal en ce moment, mais sinon ça va. Peut-être, je sais pas. Pas impossible, ça en fasse partie. Ah ouais. Hey, vous là-bas, si vous voyez notre troupe, dites-leur que nous arrivons. Yep. Tu m'étonnes. Faut rendre la quête, ça. Dans les marais, quand la patrouille sera revenue, nous irons. Et on y retourne. Oh, le beau bâton qu'il a, magie. Le bâton de mage. Oh, il a un bel arc lui aussi. What the fuck? L'arc du brigand. Oh, le cube du chaos encore. Oh, c'est tout comme dégâts? Oh, mais c'est nul. Oh là là. Faut qu'il y a moins 16% de rechargement pour les compétences. Non mais c'est tombé, c'est nul. Il fait 14 de dégâts de feu, genre là j'en fais 24. Dans 10 minutes Minecraft, dans 10 minutes normalement. DPS. Où allez? On va passer au niveau 16. Bah 17.
Encore le cube du chaos, ça fait 3 fois de suite. Il a pété un câble le jeu ou quoi? Feu de Prométhée, cool. Tu ne peux plus rien, tu n'as plus de place. Là, t'es sûr? Et j'ai un petit ruine à faire. Avant de prendre la prochaine fontaine. Activer le boss, c'est un fuck. Il y a deux héros. Et il m'endort. Pas cool. Et il me ralentit grave, hein. De l'arc d'Artémis. Je monte d'un cran la maîtrise de la tempête. Je monte d'un cran. Où est-ce que je prends ça? Je monte d'un cran choc électrique et je monte d'un cran. Éclair mortel.
Ok, ok. Idée. Bah, jouer à Minecraft et Titan Quest cet après-midi, je verrai, on va voir. Mes journées se résument à ça. Regarder des streams sur Twitch. J'ai pas oublié un truc. Un petit peu. Je vais y aller là. Comment ça s'appelle? C'est pas Alexia TV ou un truc comme ça. Amelia TV, je crois, le matin. Ou des streams sur, sur un peu de tout. Un peu Resident Evil 4, un petit peu Isaac. C'est Amelia TV, je regarde. Ça dépend que de qui en live. Jamais. YouTube, jamais. Je regarde une chaîne de qui comment s'appelle, qui fait des chroniques de cinéma. Il s'appelle comment déjà? Les chroniques du cinéphile ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est bon, je peux non. Bah oui, attends. Ouais, non, c'est idiot ce que je fais. Où est-ce que je vais comme ça? Non, si je regarde pas YouTube, y a rien qui m'a. Je connais pas du tout, non. Un peu de musique, j'écoute un peu de musique surtout. Et encore. Quoi? Pourquoi je te parle à toi? Intelligence, non. Bon débarras. Connaissez-vous Simonides? Un excellent poète. Adieu. It's the same. Bon allez, on va changer le titre du stream. Après avoir vendu ça, je vends ça. Toi. Hop. Régénération de santé. Plus 3 de régénération de santé. Après je vais aller à 2 à l'heure. Pars loin d'ici. Allez, changement de titre. Catégorie. Allez, je vais devoir creuser aujourd'hui. Et vous, que regardez-vous sur YouTube? Moi, je peux toujours. Ça m'étonnerait que je regarde jamais. Villebrequin. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Je suis pas très bagnole moi, personnellement. C'est pas trop bon truc. Ah ouais. Ils sont tellement heureux. C'est beau. Il en faut des gens heureux parfois.
Je lance le launcher Minecraft. Sur 2 heures. C'est plus avancé que Elden Ring. Minecraft. C'est un plus gros jeu, hein, presque. Alors, this one. Merde, y'a pas de musique. Fuck. Attends, comment je fais? Attends. Alors, je vais creuser là-dessus. Je crois. Je vais élargir ce truc d'un cran. Mettre sur le côté, mettre du verre. Creuser tout ça jusqu'à cette ligne-là, jusqu'à ce trou-là. Ok. C'est parti. En fait, il n'y a pas beaucoup de hauteur de sable. C'est toujours un peu la même chose. Je suis pas sûr. Parfois c'est un peu chiant. Mais ça va. Je vais être ça va être chiant au niveau des coffres hein. Tout ça plus rapide cette pelle apparemment.
Ah bah c'est cool. Je vais en récolter des caisses de la graine. La terre cuite. Ah. Ouais, c'est sympa, ouais. Oh, c'est marron. Get full. Et je suis full. Mais ça va poser problème, hein. J'aurai pas assez de coffre et tout, ça va être la merde. Quel bordel. On va voir ce que ça donne. J'attends de d'avoir plein de d'avoir des panneaux pour tout arranger. Attends, ça va être un peu chiant, un peu beaucoup chiant même. Bah pour l'instant j'essaie de ne pas tuer de vache dans le monde normal. Du coup j'ai pas de cuir. Par contre je peux tuer des sangliers dans le Nether. Et eux ils dropent du cuir. Faut que je fasse une grande séance dans le Nether à tuer des sangliers. Pour avoir du cuir. C'est un peu une forme d'hypocrisie, mais tant pis.
Oui. Alors là, par contre... Il faut que je fasse jusqu'en haut. Où est-ce que je vais faire ça? Je m'en suis même pas rendu compte. Ça doit être naturel, je ne sais pas. D'accord, bien. Je fais attention. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ce truc, moi? Aucune idée. Je vais tomber dans le trou. Ouais. Comment est-ce que je vais faire ce truc? Moi tout ça, j'en sais rien du tout. On va voir. Faut que je fasse des extensions pour le dos, sinon ça va mal se passer. Et après les streams, hein, j'ai intérêt. Oui, c'est mieux, oui. Je confirme. Pas du tout. Elle est pas terrible, elle est même pas Efficiency 4. Efficiency 4, 3, Unbreaking 3. Pour l'instant j'ai pas fait mieux que ça. Bon, j'ai trouvé une Psycho Touch et une fortune, mais...
m'a dit que ça m'intéresse pas, de toute façon. Ça m'intéresse vraiment pas. Bon courage. Je suis en train de me tasser, grave. Non mais je suis pas fan. Et je suis full. Par contre j'aurais avoir de plus en plus de mal à partir d'ici moi. Comment je fais pour partir d'ici? Ah bon, je vais pas faire tout le tour si à chaque fois. Moi je devrais aller marcher mais je marche pas du tout. Pas du tout du tout. J'ai jamais entendu parler d'une Nether Star. Je sais pas ce que c'est. C'est avec le boss du Nether? Enfin, j'en ai entendu parler peut-être, mais. Alors, je l'ai vu il y a très très longtemps. Je fais tellement inutile, c'est fascinant. Mais non. Ah c'est les fameux, d'accord, ok. Je l'avais un jour incanté dans mon... J'avais fait une immense map sur plusieurs années. Et je l'avais... C'est la seule fois où je l'ai incanté lui, c'est le Wither. Je l'avais incanté au milieu de mon chantier en fait. Il avait commencé à balancer des boules de feu de partout, il avait commencé à tout péter. J'avais dû m'exiler sur un autre endroit de la map, parce qu'il m'avait tué en fait. J'avais dû m'exiler ailleurs sur un autre endroit pour me refaire du stuff. Pour ensuite y retourner pour le tuer. Ça avait été super long. Suffisamment loin pour que les chunks ne soient pas chargés, pour qu'ils ne détruisent pas tout. J'ai jamais fait de beacon.
Un jour peut-être. Allez, courage. Non, mais j'ai pas ça. Je ferai pas ça. C'est pas juste. Je dis ça. Comment je vais faire ? Ça va être sympa.
Hop, 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 hop. Oui, j'ai un peu regardé, ouais. On verra. Ça a l'air sympathique, quoi. Ça a l'air très joli. On n'y est pas encore. Hein. La mangrove, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense peut-être. Ça dépend de quel âge elle est. Ça me rappelle quelque chose, mais il y a des années. Bonjour, Orbinator. Hello. J'ai plus de place dans l'inventaire encore. Fuck. Peut-être que je l'ai pas vu alors. Peut-être que j'ai croisé, je m'en suis pas rendu compte. Ok. J'espère que Gorbinator va bien. Si ça va pas à ce même prix. Je ne sais plus. Ça me dit quelque chose quand même. Fait dans une demi-heure, dans 20 minutes, ça fera plaisir. J'en vais du curry.
Non. Ça m'a jamais intéressé les chevaux. Dans Minecraft. Non. Oui, du curry. Pas curry. J'en suis où là? C'est là où on va se marrer, dans pas longtemps. De l'eau, un peu d'eau, petite coulée d'eau, toute simple, toute bête. Enfin j'en sais rien du tout en fait, on verra bien. Ça par contre c'est problématique. Comment est-ce que je vais faire ça moi? D'ailleurs on va voir ça tout de suite. J'aurais pas assez de blocs de toute façon quoi qu'il arrive. Passer de verre. C'est compliqué, hein. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Plutôt comme ça.
Merde, comment je remonte après? Méga, méga, méga. Tout le long comme ça, donc. Ah oui, carrément. Mais non, si. Comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a deux cases là? What? Pourquoi? Non. Ça va être compliqué. Parce qu'il y a une sacrée bande à faire. Ça va être super moche à la fin. Ça a pas trop d'intérêt en plus. C'est pas si intéressant que ça ce que je fais. On verra. Je vais continuer, on verra bien. Avancer comme ça, j'en ai pour 2 ans à aller en face. Attends, que je vais péter déjà toute cette partie-là. La réalité. Je suis lucide. Ce qu'on appelle de la lucidité. Parce qu'en fait par en dessous, par au-dessus ça sera juste un plan d'eau, hein, ça sera tout bête. Je pense pas qu'on verra pas la grotte à travers l'eau. Sauf si je retire le shaders éventuellement. Donc ce sera pas top top. Par en dessous ce sera peut-être intéressant parce qu'il y aura des reflets dans la grotte, mais sinon c'est pas non plus un truc. C'est pas non plus une grande grotte luxuriante, donc c'est pas. Voilà quoi. Mais bon, c'est un petit chantier en attendant les grands chantiers, quoi, on va dire. C'est un petit chantier qui va prendre du temps pour un résultat qui sera mitigé, on va dire. Qui sera peut-être pas à la hauteur du temps que j'ai passé dessus.
Glycide, c'est... Gaspillage. Ok. Ah oui, Lucide, là, d'accord, j'ai compris. Psychotouch pour pas gaspiller. Oh, j'aime pas ça quand il y a ça. J'ai pas le vertige du tout. Ça donne quoi de loin? Pas grand chose. C'est sympa. Bon, ce qui a peut-être un peu. Je ferai couler l'eau d'ici dans le truc. Mais ça donnera pas grand chose hein, en fait. Hein, parce qu'il y aura de l'eau, donc ça va, on verra pas le fond en fait. On verra plus la grotte au fond. Donc c'est ça le truc qui sera. Après, plus loin, je vais faire un truc un peu plus écarté peut-être pour. Je ferai un grand cube au milieu avec une ouverture quand même de lumière au milieu. Enfin bref. Pour laisser quand même descendre la lumière. Qu'est-ce que je voulais faire là? Psychotouch. Ouais, elle est où? Je fasse cuire beaucoup de matos dans pas longtemps. Bon, pour l'instant ça va. J'ai déjà plus de verre bientôt. Ça peut être sympa, ça dépend des reflets que va donner le shader. Avec l'eau qui va faire des reflets sur les parois ou sur les... On va voir, on verra. Ça donne le vertige hein. On verra. Ah non. Je pense que ça... Ben non, ça... Oui, ça peut être intéressant, Marc. Pas sur ce chantier. Non. Mais c'est vrai que c'est pas... Je pense que ça annulerait l'effet de couleur, peut-être l'eau. Hein. Avec l'eau dessus.
J'ai pas testé les ce genre d'effet pour l'instant. Ouais, il faudrait la RT, même la carte test, c'est casse-couille leur truc. Ils sont pas capables d'implanter un shaders dans le Minecraft Windows, c'est ridicule. Alors qu'on y en a partout dans la version Java. Ils sont pas capables de mettre ça sur Minecraft, c'est fou. On se demande ce qu'ils attendent vraiment. Il y a des évidences parfois, tu te dis mais qu'est-ce qui. Et tout le pognon qu'ils ont, ils peuvent pas faire un shaders. Pour Java, non. Potable. C'est fou, hein. On est obligé d'aller sur des sites et tout ça. C'est assez incompréhensible, parfois. Ce que fait Mojang. David, je le pense, oui. True story. Que Dalvin va bien. C'est bientôt l'heure du café. Putain, je devrais descendre en bas pour récupérer des blocs. Qui tombe. Fuck. Que je perds des blocs de sandstone, j'aime pas ça. J'en récupère un petit peu. Ça dépop au bout de 5 minutes. Ouais, putain, il y en a des blocs. Ça va être chiant. C'est tout petit. Dommage qu'elle soit pas luxuriante. C'est ballot parce qu'il y a des grottes luxuriantes sur les côtés un petit peu. Mais pas celle-là. Alors peut-être que je la ferai moi-même luxuriante, mais on verra. Par en dessous, pour l'instant, ça donne rien. C'est juste un petit ciel. Où est-ce que je vais, là, comme ça? Pour remonter, c'est par là. J'ai plus de verre. Faut faire de la cuisson. C'était prévu. C'était prévisible.
Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça à un moment donné, je sais plus où. La poudre d'os. Oh là, j'ai peur avec ces conneries, moi. Enfin, je fasse tomber des piliers qui sont trop trop proches du verre. Fini cette zone, fuck. Fuck. Mais dans ce cas, j'ai fait trop large là. Non, après je vais réduire en fait. Ouais. Bon café. Bientôt, lac de lave. En attendant, ouais. Et cette musique dans ma tête. Je vais essayer de détruire le pilier qui est là. Où est-ce qu'il est le pilier? Je ne vais pas essayer, je vais le détruire d'ailleurs. Par contre, j'ai pas détruire ce gros pilier, c'est pas plus mal. Je crois qu'il y en a un deuxième que je vais devoir détruire, c'est celui-là. À moins que j'aille. Ouais. Faut que je détruise celui-là. Fuck. Oula, où est-ce que je vais comme ça? C'est le vide, hein. Il n'y a pas du verre là, attention. Il est où ce compte pilier? Ah, il est là. T'es sûr? Ici. C'est pas qu'il n'y a pas un archer qui va me tirer dessus.
J'aurais pu faire un... une pointe en fait. Laisser une pointe pour qu'il y ait des reflets sur la pointe avec l'eau en dessous, au-dessus. Ouais, maybe, ouais. Et quand je descends, non, c'est pas du sable, fuck. Ah, oh, j'ai pas de sable. C'est haut? Oui, c'est un peu haut. Merde, je vais être obligé de descendre. Ah non, j'ai peur de servir à toutes les torches en bas. Et fuck. Je meurs si je saute là? Non, c'est bon. Bon, je vais laisser un peu la pointe en fait pour. Peut-être qu'il y aura des reflets dessus. Et si ça va pas, je la pèterai. Hein. Par contre, ce bloc là, il est un petit peu trop mastoc. Tout ça pour un truc que je verrai jamais, c'est vraiment, je me fais chier pour rien. Où est-ce que je vais comme ça? C'est un training, on va dire. Pour la suite, pour la future suite. C'est cela, oui. Yep. Je vais aller faire un petit pipi. Je vais aller faire un petit café. C'est cute. Ah, ça, faut que je le ramasse aussi. Pour les villageois. J'ai oublié de pisser, j'ai oublié de pisser. Je reviens dans 2 minutes. Tant que le verre cuise. I'll be back.
Life. C'est magnifique. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à un moment donné, ça descend là-bas. Ouais, c'est pas grand chose. Oh my god. Oh. Attends. Bon, j'y suis. Pour les villageois, j'en ramasse des patates et pour moi aussi. Bonjour Fiban. J'espère qu'il y a bien. Oui, ça va. Merci. Où est-ce que je vais mettre ça? Prends encore un peu de sandstone. Un peu, tu veux que tu dis Allons-y, allons-y. La porte du laser, faut que je regarde si je change pas la façon de faire. J'espère que tout le monde va bien. Oui. C'est ce que j'aime entendre. Et puis le voix du chat. C'est plus rapide que ce que je pensais à faire. Je pensais que je mettrais plus de temps à faire ça. On va passer à la zone plus basse encore.
essayer de pas perdre de sandstone, trop de sandstone. Parce que j'en aurai besoin de caisse. On va pouvoir tout creuser. Bon, allez, on continue ça. Cette petite bande. Oh my god, ça fait du bien. Où est-ce que je suis? Oui, ici. Ce café. Magnifique. Oui, alors attendez, parce que là, comment je fais? Encore un petit peu quand même, oui. Jusque là. Là ça se complique. Ça commence à descendre en fait, cette zone. Comment je vais faire? À un moment donné, je me demande si je vais pas devoir faire ça par en dessous. Et oui, comment je vais faire ensuite? Comment? Qu'est-ce que je fais là? Je suis comme bêtise. Ça continue de descendre. Là ça se complique. C'est là où peut-être que je vais faire le puits de lumière. Peut-être que c'est là que je vais commencer le puits de lumière.
toujours pas de l'autre côté. Peut-être. Ce putain de bloc là. C'est l'XP qui reste sous, sous la glace. J'ai l'impression. Ah non, elle descend. C'est... oui, là ça va être compliqué là. Remontons. Oh my god. Alors comment que je fais? Je dois raboter cette montagne. Mais non. Parce qu'en fait, non, mais non. Oui, oui, mais non. Parce qu'en fait, je... Ah je me fais peur tout seul. C'est par rapport au... L'échelle est ici. Putain, j'ai trop creusé ici, en fait. Si l'échelle est là... L'échelle est où? L'échelle? C'est ce bloc-là, l'échelle? Yes. Tac, un bloc. Et le puits de lumière, il est à ce bloc-là, en fait. Celui-là? Oui. T'es sûr? C'est pas celui-là? Attends. Ce bloc-là, un bloc. Échelle. Creux de l'échelle, une zone de truc, de distance, et ici le puits de lumière. Sur combien d'argent? Et il faudrait qu'il fasse 1, 2, 3, 4, non mais compte pas comme ça, tu vas pas y arriver. Jusque là c'est sûr, non je vais pas faire aussi grand, je vais pas faire un truc aussi, un truc immense, hein, faut pas déconner. Même s'il n'y a pas tant que ça à creuser, hein, vu que c'est vide en dessous. Il y a juste la montagne qui est un peu chiante à creuser, mais après c'est pas si long. Donc, c'est-à-dire. Et donc il faut que je creuse un bloc de plus pour faire un truc visuel. Hein? De quoi tu parles? J'en sais rien. De quoi je parle? Fait de l'autre côté, c'est plus simple, peut-être plus facile. Quoique non, il y a de l'eau de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a des... Non, les grottes, elles sont... De l'eau, elles sont... Faut pas que je fasse trop large. Ça va être la merde, sinon. Comment est-ce que je fais? Je devrais faire un cube au-dessus, en fait, pour me repérer. Yep, c'est-à-dire... ouais. Bonjour, Tapis B. Alors...
deux de chaque côté là. Après je compterai la largeur. Il faut que je fasse il y a 5 de large, 5 d'eau. 5 5 5 5, qu'est-ce que tu racontes? Non, pas forcément. Non, je fais le milieu haut et autour je fais. Ou autour je fais de l'eau ensuite. Non, ça, on ne calcule pas comme ça, tu vas pas y arriver. 5, 5, 5, 15. 15, 16, 17. Non, ça fait combien déjà ça de large? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17. Attends, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, c'est bien comme ça, non? 25, c'est pas mal. 25 par 25, c'est bien, non? Plus un cube pour... un cube en plus pour les côtés. Pour faire un truc propre sur les côtés. Quoique après, 23, 23, c'est bien aussi. J'ajoute 5 ensuite, ok, d'accord. Bon, ça fait combien exactement? 25. Je suis full. Oh putain, que j'aime pas ça. Perte de temps. Oh my god. Plus de place. Fuck. Version moi pour l'instant ça sert à rien. Je rappelle que je ne sais pas ce que je fais. Hein. J'ai aucune idée de ce que je fais. J'improvise. Hein. Je sais pas ce que ça va donner à l'arrivée. J'ai aucun. Je sais pas du tout. Allez. Cordose. Hey, on approche de la porte du Nether, attention hein. C'est trop grand. Quelle idée de mettre la porte du Nether ici aussi. C'était limite avec la porte du Nether, what the fuck? Je pensais pas que ça partait aussi loin. 25 par 25. Intéressant. Peut-être qu'on aura de beaux reflets de la porte du Nether, au fond.
Ok. Okidoki. Non, c'est bon. J'avais peur que le... que la table d'enchantement soit prise dans le truc. Normalement 23 et je devrais faire le carré. Si ça tombe pas juste, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une couille dans le potage. C'est bon. Bon, faut que je creuse maintenant jusqu'en bas. Le problème, c'est cette eau qui va me casser les bonbons. Of course. Plaisir, c'est efficient aussi. Jusqu'à quel point ils vont me casser les bonbons, les trucs ici? Bonne question. Classique. Et bonjour Sobuil. J'espère que Sobuil va bien. Ça va, je dors mal en ce moment, mais sinon ça va. La routine. Non! Oh putain, ça a pas coulé en dessous, heureusement. J'aurais fait la gueule sinon. Moi, faire la gueule?
Ouais, sympa, c'était sympa. C'est un peu sympathique. Très sympathique. Enfin, faut que je comprenne comment marche repentance, mais... Ouais, c'est sympa. J'aimerais bien accéder à mère, la fameuse mère. Et je sais pas comment on fait. Je crois que c'est un... Il faut que je donne un coup de couteau dans une porte, mais je suis même pas sûr. Ça me permettrait de débloquer le dernier personnage qui me manque. Et bonjour PNG. Bonne matinée. C'est beau, on peut descendre ici, je pense. Ouais, dommage que j'ai raté le... J'aurais pu faire presque Méga Satan et... Je me suis planté. J'ai pas pensé à zapper de personnage. Enfin, j'ai hésité surtout. Du coup, j'ai raté l'occasion de faire Méga Satan aussi. Je serais pas mort si j'avais zappé de perso. Par contre, il y a plein de... Rivière casse-couille en dessous. Yep. C'est mon petit regret pour hier, mais c'est pas très grave. L'air assez facile pour débloquer Méga Satan, donc ça c'est cool. Grâce à ces deux persos. J'aime bien son côté corps à corps, très efficace. C'est presque du knife amélioré en fait. Il est déjà tiède ce putain de café. Hey fuck. Oh, c'est une grosse grotte. Fuck. Yep. Hmm.
attention. J'espère que vous allez bien. Et bonjour Caras. J'espère que Caras va bien. Comment qu'il va ? Sur ma chaise encore. Peut-être, je sais pas, pas sûr. Ça m'étonnerait quand même. J'aimerais essayer un autre jeu, mais. Comme je disais, je me tâte. Et bien le bonjour Marsana aussi. Quelqu'un? Non, je crois pas. Faut que je réenchante une poche en diams pour l'autre côté. C'est bonjour. Pff. Vous avez pas marre? Qu'est-ce qu'il me prend? Ça va, j'ai mal dormi, mais ça va. La preuve. Ah, j'ai le dos qui se tord, mais sinon ça va. Être irritable aujourd'hui. Non, ça va. Je suis complètement tordu. J'ai ressorti le pilote. Faut que je fasse du pilote ce matin. Sinon, ça va pas le faire. Oh! Oh oh, j'ai failli faire une chute. Je sais pas comment je me suis retenu aux branches. Putain. Je sais pas comment je fais pour m'en sortir là. Je me suis vu tomber comme une merde. Putain. Putain. C'est miraculeux. Enfin, pas exagéré, mais. Ouais. Comme dirait Queen, that's a miracle, we need a miracle. Non, c'est pas ça. Ça, je garde. Ça, je veux dire. Non. Faut que je remette des coffres. Les Elytra, les Elytra, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. Il n'y a qu'à creuser. Oui, ce côté-là va être chiant à creuser, par contre.
T'as une grosse grotte remplie d'eau en dessous. Ça va être chiant. Par 25, sauf un paquet de blocs. Combien de stacks de verre je vais avoir besoin, moi? 200, 500, 600 blocs, 600, une dizaine de stacks de verre. D'ouvrir. En dessous. C'est intéressant. Je vais pas commencer à aménager en bas des grandes séries de fours.
J'espère que la prochaine pioche sera efficiente. C4. Unbreaking 3. Ça m'arrangerait parce qu'elle va péter celle-là. Faut que je monte en master les villageois aussi, les toolsmiths, voir ce qu'ils ont comme pioche aussi. Yep, 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 yep. Une grotte sans rien au-dessous. Il y a un mix de plusieurs grottes. Apparemment. Ah non, mais c'est pas la grotte, c'est carrément la faille là. Faire gaffe. Non, enfin, là il y a un petit morceau de grotte, mais. La faille doit pas être loin. Ah à moins que ce soit juste au-dessus de ce pilier en fait. Yep, à mon avis, oui. Ou à peu près. Demain, on ira voir les villageois, faire un peu de trade, monter à 30, réenchanter une pioche en diams. Ça fera un beau petit trou quand même. Oui, c'est bon. Pourquoi est-ce que j'ai foutu la porte du Nether ici, moi? On verra. Oui, ça va être sympathique. J'ai hâte quand même de percer tout ça. Je pourrais utiliser un peu la stick touch quand même aussi. Ce serait pas du luxe aussi. Surtout que elle est efficiente en C4 en Making 3. C'est peut-être le coup de la réparer. Clairement. Faut que je me décide pour les côtés là, ce que je vais faire. Ah, peut-être que j'aurais peut-être dû laisser.
parce que ce n'est pas joli si je laisse jusqu'à cette hauteur là les blocs. Les blocs de mesa. Peut-être que je vais le laisser, ouais. Ça peut être sympa quand même. Pour l'instant, je vais le laisser, je pense. Faudrait évidemment faire la même chose en face. Pour l'instant, ouais. C'est dur d'arrêter là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, je suis curieux. Ça descend vite quand même. Je fais encore ce truc et je vais arrêter parce que je vais être sérieux. Faut que je fasse un peu de ménage. Que je fasse du pilate. D'un matin, ce sera très intéressant. Du coup. Ah merde.
Ok. Qu'est-ce que je fais, moi? Ça va commencer à devenir intéressant demain, après-demain. Dès qu'on a une pioche efficiente, 6-4 en backing 3, ça va mieux quand même. C'est quand même plus sympa. Hein. C'est bon. Ouais. En plus, c'est les blocs originaux. Hein. C'est pas le pack de texture. Donc, enfin, je crois pas. Non, c'est le pack original. Donc, ils ont bien fait quand même. Ils ont bien foutu. C'est cool. Ben demain, on finira, je pense, ce trou. Hein. Bon, il y a encore pas mal quand même à creuser parce qu'il y a une grosse partie de stone. Mais ça va pas être trop long, je pense. On va faire un grand puits de lumière ici. Là-dessous. Arrête, arrête. Je sais que c'est super sympa à faire, mais arrête de faire, arrête de creuser, tout de suite. Là, ça va être compliqué de faire le bas, là. Peut-être, je vais peut-être remonter par en dessous pour faire le bas. Qu'est-ce que ce putain de bloc? Je sais pas comment je vais faire. Non, ça va aller, ça va être simple. Ouais, ça va être tranquille. Yes, très dur de lâcher le manche, très dur. J'en rajouterai pas une couche. Je vais ranger juste mon inventaire et j'arrête le stream. Faut que je fasse un plafond de verre ici aussi. Quoique, peut-être qu'il ira même jusqu'au bout là. Quoique. Non, je peut-être pas, non. On verra. Demain, on continue de piocher. Passez une bonne journée, bon zapping sur Twitch. Demain on creuse ici. J'espère faire le puits de lumière demain matin, enfin au moins jusqu'à la première étape, jusqu'au fond de la grotte. Passez une bonne journée, bon zapping. Et bon courage aussi. Bye bye. Ciao. Merci.